Avec l'équipe dans laquelle on est, on travaille pas mal sur le mouvement et le fascia, c'est déjà dans nos pratiques quotidiennes. On a une vision d'ensemble du corps, c'est un système vraiment à part, c'est un système vivant. Moi j'étais hyper intéressée par du coup cette différence d'entraînement finalement du fascia, le travail de l'élasticité et de la finalement de la longueur de la structure. Which is a good balance for training. Okay, if you want to train speed, go ahead and train speed, but you're training neuromuscular speed, you're not training fascial speed. Okay. If you want to train, the only way you train fascial speed is elasticity. You are not training elasticity when you go like this. Okay. So, athletic speeds train elasticity. Yoga speeds create length. The fascia gets longer and you see it doesn't come back. Okay, and if I make faster, it makes this. C'est la vodou. Okay. Donc ça rentre dans la démarche de la nouvelle pratique kiné où la fascia prend une importance vraiment quotidienne dans notre pratique. Je travaille sur les notions que Tom Myers a développées. Si je suis naturellement souple, je vais mettre plus de temps à guérir, à cicatriser. Si je suis raide, ça va être peut-être plus rapide. En tant que thérapeute, ça me permet d'orienter mon traitement en fonction de la personne que j'ai en face de moi. De le rencontrer, c'est vraiment intéressant parce que ça remet aussi des choses qu'on n'a pas forcément appréhendé dans le bouquin que j'ai, dont je galérais à lire, qui était en anglais. Et là, je l'ai en français maintenant.